Mais non mais son, son, son projet est nul quoi. C'est dur petitivement parlant. Donc, quoi. Toi tu es le, le chevalier white au corps pur et tu dis que le projet des gens est nul quand ils jouent des decks. Pas le projet des gens. Son Alors que nous chez Dimir, on adore ce que font tout le monde. Euh, non c'est pas vrai. Peu importe le sort, on va le contrer, le tuer et tout, on est content. Ah bah bon aussi. Ah aussi, bah non. aussi C'est pas ce que tu disais il y a quelques secondes. Ah on peut pas laisse sa veste comme ça Val. Non mais je j'adore j'adore briser son projet au même titre que toi, tu brises le sien. Salut à tous et bienvenue sur ValPL Magic Arena et faire comme ça. Va ça va très bien toi. Ça va très très bien, puisqu'aujourd'hui je sais que la secte des adorateurs de Dimir est là, est réveillée, est puissante, elle est présente pour regarder ce deck Dimir Control et se régaler. Se régaler. On a déjà régalé les joueurs du White la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je ne sais plus, euh, ou cette semaine, pff, le temps passe si vite. Et là, là on a la version Dimir Control qui régale. Avant La version parler. pour les cœurs impurs. Pour les cœurs impurs, exactement. Ou les cœurs purs, ça dépend de quel côté vous êtes. Si vous êtes d'Ymir, vous vous dites que c'est vous le cœur pur, finalement. Euh, avant de parler du deck, on met le pouce bleu, on s'abonne parce que c'est gratuit, ça fait plaisir, ça nous soutient. Et on remercie les sponsors. Play-In by Magic Bazar, Code Valet PL. 2024 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de finalité supplémentaires et ça nous soutient. Merci à tous. Merci, merci également à Ultimate Guard, lien affilé dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur site, vous faites vos achats, ça nous soutient et vous recevez les dingueries d'Ultimate Guard directement chez vous. Nickelus. Euh, merci aussi à tous ceux qui passent nous voir sur Voct. Si jamais vous ne connaissez pas, c'est une appli de vente aux enchères en live accessible sur euh, PC ou sur téléphone. Vous avez le lien de notre compte en euh, description. Si vous nous euh, suivez, si vous nous followez sur cette application, vous serez averti quand on part en live 4 fois par semaine à 18h, lundi, mercredi, jeudi, dimanche, euh, pour faire du box break et de la carte à unité, du magic en ce moment, mais pas que. Aussi plein d'autres petites dingueries délicieuses, notamment du One Piece. Donc n'hésitez pas à passer une tête et surtout euh, à passer une tête avec le code belle Carte. Si vous rentrez le code belle Carte au moment où vous créez votre compte, vous avez 10 euros offerts sur votre premier achat pendant les deux premières semaines euh, de, suivant la création de votre compte. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à le déposer chez nous. Ça régale. Merci beaucoup à Wizard. Merci à tous. Merci à Wizard, parce que grâce à eux, on vous révèle en World Premiere, exclusivité mondiale, une carte de la nouvelle extension Modern Horizon 3 qui arrive dans les bacs au mois de juin. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et ils nous ont régalé. Ils nous ont régalé avec une carte et ses skins. Et oui, on a aussi les petits skins. On vous présente la carte tout de suite. Ah, C'est cool. Bam Le skin grosse tête. cendreline danseuse de flammes. Pour 4 mana, on a une 4-4 légendaire, élémentale. Et Shaman. Euh, vous ne perdez pas le mana rouge non dépensé au moment où les étapes et les phases se terminent. Donc vous pouvez le, le cumuler votre mana rouge comme ça, euh, comme un goinfre que vous êtes. Et ça a la capacité sorcellerie. à chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou de rituel, défaussez-vous d'une carte, puis piochez une carte. Si c'est la deuxième fois que cette capacité s'est résolue ce tour-ci, danseuse de flamme, inflige de blessures à chaque adversaire et à chaque créature qu'il contrôle, vénère. Et si c'est la troisième fois, ajoutez 4 mana rouge. Et euh, du coup, euh, si jamais ça fait plus de trois fois, bah vous allez juste faire défausser, piocher une carte. L'effet le, de sorcellerie de base. Carte de combo, ça Ça m'a l'air d'être une, une carte de combo. C'est effectivement une carte de combo. Ça, ça s'auto-synergise en plus parce que le mana que tu vas ajouter dans ta poule, tu n'es même pas obligé de l'utiliser et tu vas pouvoir le conserver. C'est une mythique. Donc ça raconte quelque chose de la carte. Il euh, y a moyen que ça puisse faire des trucs un peu débiles. Pas qu'en moderne, probablement en commandeur aussi. Ça peut être costaud, ouais. Est euh... Euh, après, est-ce qu'en moderne, tu as le droit d'investir 4 mana dans, dans une carte pour ensuite déclencher des effets qui, je pense, vont te donner l'étal si le deck est bien, est bien construit autour Ça ressemble un peu à Omnat en mono rouge, en fait. Sauf que ouais. Omnat, ça trigger avec un land. Donc tu peux très facilement faire Omnat, je joues un fetch et directement, tu commençais à faire tes bêtises. Là, c'est un peu plus compliqué. Il faut dépenser du mana supplémentaire pour, tr pour trigger ouais. ces effets une fois que tu as dépensé les quatre premiers. C'est vrai. Par contre, contrairement à Omnat, tu auras la priorité pour commencer à trigger ses capacités. C'est ça. Euh, donc, c'est un petit peu moins euh, fragile face à l'interaction. Dans euh... un deck bien construit, ça part directement en couille, beaucoup plus comme Ça te fait gagner, en fait, si tu arrives à trigger euh, ouais. ces trois effets. C'est dur de savoir si ça sera jouable ou quoi. En tout cas, il y a beaucoup de decks qui vont se gloutonner avec ça euh, en multi, ça c'est clair. Hein. J'ai notamment un deck ouais. Neheb qui aimerait bien jouer Sandroline. Euh, je trouve, je on trouve va le pas faire build intéressant. Peut-être des decks tout court, même maintenant. Peut-être des decks tout court, effectivement. En DC, euh, c'est un peu trop fait pour être un commandant, je pense. Euh, contrairement à d'autres trucs comme urabrasque, plus, plus dur à disrupter tout. Mais dans un deck, bah genre dans Urabrasque peut-être que ça a une place, je ne sais pas. En tout cas, intéressant. En sens, pas, si on se pose plein de questions, c'est cool. Et, du coup, deux petits skins. Bam! La version portrait magnifique, magnifique, la version portrait de sandroline euh, le fond un peu rosé comme ça là, euh, gris Et pour les adorateurs de, de vieilles cartes, j'ai envie de dire la version old frame. On est là. Moi j'aime les deux old versions old frame. De C'est vraiment quoi. très joli, ouais. Le, la version Donc, old ça, frame sublime, rend rend vraiment euh, très beau l'illustration, je trouve. Ça sublime l'illustration, ouais. C'est très beau. Ben voilà on a, eu, on a eu une belle carte à vous révéler là on ouais. est content mythique euh, vous avez vu hein, sur les cartes qu'on révèle hein, on se fout pas de notre gueule en ce moment hein. franchement euh, euh... On, a de la, on a de la belle carte on a de la belle carte euh, passons au deck du coup merci beaucoup à Wizard encore hein, de, de nous avoir permis de révéler une petite carte en World Mirror euh, deck d'Imir, comment qu'il tue Val qu'est-ce qu'il fait ce deck comment il tue et eh il tue avec Mirex et Semanland ou peut-être avec son Jace l'esprit perfectionné. C'est quand même globalement un deck qui va tuer à l'ennui. Hein. On n'a euh, oui. vraiment pas un kill à proprement parler. On veut que des cartes qui s'insèrent naturellement bien dans le plan de jeu. On n'est plus à l'ancienne à vouloir jouer juste des gros pâtés une fois qu'on a euh, contrôlé l'adversaire. Parce que ce gros pâté-là en début de partie ou en milieu de partie, c'est ce qu'on appelle une brique. Et euh, dans le Magic actuel qui est quand même très puissant, on n'a pas le loisir d'avoir des briques. Donc on trouve des cartes qui ont des effets. Mais qui en lead game, quand les ressources de l'adversaire sont faibles, eh bien nous permettent d'être des, euh, des kills. Donc voilà, le récif tourmenté notamment, le Mirex et le Jace, l'esprit perfectionné, oui. Voir une ferme arrêt de Tishana. Hein, quand au doppo, il fait plus rien, attaquer pour trois points plusieurs fois, ça finit, euh, ça finit, les parties. Et puis alors pour les plus euh, les plus sombres d'entre vous, ceux qui ont le cœur le plus impur, le plus dark. vous pouvez tuer euh, l'adversaire avec ses propres cartes, notamment en jouant des perspicacités siphonnées. Ça c'est pour les points de style. Oui. Alors. Je sais pas pourquoi ton son était un peu bas. J'espère que à partir de ce moment de la vidéo, il serait meilleur. Je l'ai remonté un peu. Euh, okay. Qu'est-ce qu'on a du coup dans ce deck On a des contre-sorts, négation, trois coups d'avance. Ce pourquoi on peut plus facilement jouer contrôle parce que c'est délicieux. Bah, c'est un contre qui n'en est pas forcément un. Donc euh, c'est donc un bon contre. Euh, Fermari Tishana qui est un demi-contre aussi. Contre de capacité, mais ça marche bien contre beaucoup de cartes comme. Euh, un contre de méta. Atrax, ça. Ouais, c'est un contre de méta, exactement. On veut des piocheurs. Déduire, euh, déluge de réminiscence et perspicacité siphonée, c'est un piocheur aussi, qui peut être un kill. Hein. Vu que ça a le flashback, on en a 4 du coup dans le deck, enfin 2 et 2. Euh, du coup, on peut trouver un kill adversaire, on peut lui piquer une Shield Raid, un truc comme ça, la jouer, il est pas content. Euh, beaucoup d'anti-bêtes avec droit à la gorge, exterminé, edit Shield Raid, chemin du péril et dissimulation mortelle. Dissimulation mortelle qui peut enlever en plus des trucs, euh, euh, des kills de l'adversaire, et du coup, il se retrouve un peu sans le sou. Deux petites duresses qui régalent, le Jace on en a parlé, la mana base qui sert à plein de choses, pas seulement à faire du mana. Et ensuite, on a le side. Un laser porteur de visage, deux corbillards illicites, une shield raid, un Acclos, un une horreur briscoque, donc plein de kills, mais qui sont en un exemplaire. Ah non, deux Shield. Raid. Ah non, c'est pas la même Shield Raid. On a celle à la 4 et celle à la 5. On a, on a juste plein de kills alternatifs pour pouvoir oh. diversifier nos menaces. C'est assez marrant après ça de rentrer toutes ces cartes-là quand l'empo lui va enlever ses antibêtes quoi. Typiquement, ouais. Euh, Vol extravagant qui pour X égale 1000 en fin de tour fait plus euh, piocher plein de cartes euh, du dessus de la bibliothèque de l'adversaire. Donc ça c'est vraiment 10 quoi. Vous piquez des trucs, vous les jouez à sa place, il est deg et on est content. Double negate, double fermarée de Tishana, double chemin du péril également pour euh, compléter les ratios du main deck. Un petit intrus du cimetière également, ça fait de la disruption de cimetière, des points de vie et ça bloque bien. Je pense que contre agro, on est content d'avoir ça. Et la chalonade de plus à 5. On est parti Ouais, let's go. Let's go. Trouver un masht. Deux manches, standard. Dimir contrôle. Let's go. Let's go. Ce serait marrant d'affronter u Uwait. On pourrait voir du coup quel est le quel est le cœur pur. Ah ben bah, moi je sais qui est le cœur pur. Mais c'est une question de point de vue. Mais non, mais je pense que les joueurs de Dimir, gros, ils sont honnêtes. Hein. Un joueur disent, de Dimir, ouais, on est il est dégueulasse est... quoi. Ouais, pas dégueulasse. Le cœur, il a le cœur impur. Mais voilà, tu, tu es adorateur de Dimir. Et je veux dire, ta guilde vit dans les égouts. Euh, tu n'es composé que d'espions et de ghouls. Excuse-moi, je veux dire, tu sais très bien, il y a un moment c'est honnête quoi. Je pense que c'est un peu une caricature, mais bon. C'est peut-être parce que j'aime bien les meilleurs, je ne sais pas. Je crois pas. Je crois... Oh mais t'es un espion toi. On n'a pas de contre, on n'a que des antibêtes. Donc soit c'est trop bien contre ce qu'on affronte, soit c'est nul. Ah si c'est White Control, ta main elle est nulle, ouais. C'est clair. Mais bon, est-ce que c'est White Control Il y a plus de créatures. Pas, des, des landes, des, landes euh... des antibêtes, je garde par défaut. mais ouais. bon, c'est pas une super main, je te l'accorde. Y a plus de bêtes que de pas bêtes dans le méta. Okay. Ouais, ouais, ça dépend en vrai. Euh, Peut-être qu'en prenant. Oh, okay. jajar, oh, C'est un, un adversaire euh, excentrique. C'est vrai que si tu prends en ce moment euh, quand même tes murs, euh, tes murs contrôle en compte. Peut-être que cette main n'était pas ouf, mais euh, mais ok. Ah, tes murs contrôle. Euh, ouais, on avait quatre euh, 4, -4 mortes. Ouais, bah donc non, pas non, ça c'est bien. Dissimus, dissimulation mortelle, ça peut enlever des cartes, mais ça ne fait qu'enlever des cartes. C'est juste un mauvais crâne à l'extraction, quoi. Ouais. Waouh, l'excentrique. Tu vas être obligé de tuer Ajar de toute façon, donc. Euh... Je tue Ajar ou ça Il faut toujours tuer Ajar parce que tu lui laisses le choix, sinon. Ouais, mais ouais, est-ce est qu a... le... est qu'on préfère pas euh, tuer Guena si il décide de garder Ajar En fait, tu, tu préfères tuer Guena, mais, euh, mais lui, il va protéger Guena dans tous les cas. Bah Du coup, on aura tué Ajar. Donc, si je préfère que Gwena il faut que je cime le Gwena. C'est un article de PVDDR qui explique que euh, si jamais il y a Ajar et Gwena et que toi tu veux tuer Gwena, mais que tu sais qui va protéger Gwena, dans ce cas-là, soit l'initiative de la décision et tu Ajar. Mais j'avoue que là, ça fait, peu, ça fait peu de sens. Tu, tu fais ce que tu veux. C'est plus une manière de penser au global. Mmh, oui, mais je pense que ce cas-là, c'est pas le cas de PVDDR parce que là, qu'est-ce qu'on préfère tuer Gwena Si, c'est exact, exactement ce cas-là. C'est avec le sauveteur dévoué et une carte qui est sauvée par le sauveteur dévoué. Et dans tous les cas, si tu veux tuer la deuxième carte mais qui peut sacrifier le sauveteur pour le protéger, cible le sauveteur. C'est exactement mmh. ça l'article. Pour moi, c'est pas la même situation, mais peut-être. Bah, toi, tu veux tuer Gwena, mais tu sais qu'il va utiliser Ajar pour le protéger, c'est ça En fait, euh, sauveteur dévoué, c'est pas une bonne carte. T'as pas envie de la tuer, tu t'as envie de tuer l'autre truc. Mais du coup, comme euh, il va certainement sacrifier, euh, si tu veux être sûr de gérer... Ah euh... oh bah il y en a un autre... Si tu es sûr de gérer la petite créature, pour qu'il ne puisse pas protéger les autres, il vaut mieux cibler le sauveur, le sauveur dévoué. Là, nous, il y avait l'intérêt de savoir qu'est-ce qu'on préfère tuer. Si jamais l'adversaire, il n'a pas envie de sacrifier son Ajar, on préférait tuer Gwena. Donc dans tous les cas, il faut cibler Gwena. Parce que s'il se dit je préfère value moins Ajar, nous on a tué la bête qu'on voulait tuer. Ouais, ah ok, parce que toi tu pensais que c'était pas déterminé qui était le mieux entre Gwena et Ajar. Moi pour moi c'était sûr qu'il voulait sauver Gwena. Donc du coup bah, tu tues Ajar parce qu'il a le sacrifié quoi. Ça dépend, c'est légendaire, il en a une autre main, il a pas de deuxième Ajar. Il peut te dire ok, Gwena meurt, tu vois. Ça peut, ça peut arriver. Voilà, bon, là on se prend une sauce monstre, il a un deuxième Ajar. Ouais, il, joue, il joue le deck de Brian Kibler mm. euh, qui nous a montré lors des. Lors, des, euh, lors du dernier pro tour, c'est un deck un peu troll, mais quand ça, quand ça déroule, ça déroule bien. Ouais, là il propose de, de la grosse sauce. Je suis obligé de faire ça pour gérer un jeu, du coup pour faire ça tour d'après. Ouais, il risque de nous faire très très mal, mais bon si tu trouves euh, si tu trouves le temps de passer le tour, si te tue pas, tu auras ta dissimulation quoi. Bah s'il met du board. Ça me va et normalement il me tue pas là. Je sais pas ce qu'il peut te faire avec Jirou et Azoret. Il va mettre une carte gratuite en jeu. Ah enfin, il va exiler une carte gratuite. Si c'était Jirou, on avait perdu. Bon, ça aurait été 3 Jirou en 12 cartes, c'était quand même un peu improbable. Ok, ça, ça, ça développe son deck. Ça développe mais ça prend Vras. Ça développe, ça développe. Ciao! On ne développe pas ici, on a dit. J'aime pas ceux qui développent, moi. Et là, par contre, il remballe. Ça développe, mais ça remballe. C'est eh oui. ça qui est cool avec ce deck-là. C'est qu'il remballe aussi vite qu'il a développé. Il est hyper honnête. Il dit Moi, je vais essayer de te curver des trucs monstrueux et de te décoigner eh le, ouais. le gras. Mais si tu dis non, et moi, tu le, vois, le quand gras ce... est quand un... quand un gars, il s'amuse avec Jeru et Azorite, il arrive avec son pet deck et toi, tu lui dis juste Tiens, vas-y, range tes jouets. Est-ce que tu as le cœur pur Vraie question Vous êtes libre de débattre de ça dans les commentaires. Mmh, Est-ce que si je détruis son board, mais du coup je n'empêche pas les synergies cimetières comme euh, des mecs qui exilent tout, c'est mieux Pour le plaisir de tout le monde, pour le jeu magique Ah je crois que oui, ouais. Mais là tu, tu, exiles plus son, tu exiles son plan de jeu en fait. Ah là j'ai pas pu. Oui mais tu peux, si tu veux. Ah, c'est une que carte le deck quoi. Sachant que exiler les cimetières, u white Control le fait... Après Side quoi, mais ce pas le plan de son jeu à la base. Moi je défends E-White, les gars, vous avez compris. Moi je suis obligé je de suis défendre l'autre. Je suis pas un gredin. Ok. Petit beau J'ai un ami Dimir. Oh oui, okay. Alors c'est une version personnelle, c'est même pas la version de Brian Kibler. Alors, Vras, euh, malheureusement, si on trouve pas anti-bet. Yep. C'est un peu trop fort. Que ça va bien as négate Ah merde, mais il a il pris a le à... Il a réussi à jouer un spell que tu ne peux pas contrer. et eh ben, on va espérer piocher 4 down maintenant. Ça serait incroyable. Dommage. Ça fait quoi parler dinos Il va piocher un dinosaure. Et je pioche lanti maintenant. Je peux vrasser. Hein. Ouais, ouais, je pense que tu peux vrasser ici hein, tranquillement. Est-ce que je dissimule Euh, Oui, comme ça tu vas chercher le dino qu'il a envie d'aller chercher. Non, je peux pas. C'est que des cartes qui est au cimetière. De quoi Dissimulation mortelle Ouais. Normalement, c'est le cas. Nom de carte avec ce nom. Il est là. une carte de son cimetière, puis je lui enlève ça. D'accord. ok. Je crois que ça c'est okay, le plus okay. fort. Ouais, ouais, vas-y. ouais. Du coup, tu vas pouvoir voir quelle est la, la cible. Ah. Dinosaure, Italie Ouais, il y a quoi d'autre Oh, il joue un il est beau son deck. Hein. Wouah, il y a et, euh, et le petit chaperon rouge. Ok. Ok. Je sais pas si beau c'est le terme que j'aurais employé, mais, mais il est quelque chose. Que des belles cartes stackées. Ah bah il est bon Ouais mais toi aussi T'as trouvé à la main L'avantage c'est que toi t'as pas grand chose à lui donner Ugh. Ok ok Qu'est-ce que je tue là euh... Et t'as je pense hein S'il se retourne t'es mort Ah Nalena ça donne quand même Ace hein Ah je sais bien je sais bien Un peu mais je, je pense quand même que, vu que t'as un bloqueur 4-4 qui est des Touch, tu... Oh là 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 là. Et t'as quoi avec ta Kenuma à reprendre, si ce n'est rien Bah rien du tout. Eh ouais. Ok. Je peux trouver quoi d'intéressant, là Je peux retrouver Tishana, si, pour pas qu'il aille chercher un truc. Tu peux trouver Tishana, hein c'est pas mal. Oh ouais, de ouais, toute façon, tu fais rien de, rien de mieux ici. Si tu peux rester en bloc avec ton récif, mais euh, est-ce que c'est un play gagnant Je ne sais pas. Ah. C'est quoi le plan de sa saga Bah là c'est chercher Italie. Okay. Et après les dinosaures ils ont euh, Double Strike jusqu'à fin du tour. Trop bien. Mais tu vois ça serait pas arrivé ça avec U White je pense. <laughs> Comment Je <laughs> sais pas. On aurait... La chatte Ouais voilà par exemple. U White plus, plus, ça c'est clair. Oh bah Ajar, comme ça, si je trouve Vras, ça sert à rien. Et Déluge, qui ne sert à rien par contre. Euh... Je crois il peut ne pas le jouer pour pas. Ah si, il te le fout quand même au cimetière. J'aurais pu négate ça. Tu peux repiocher une brasse cela dit. Bah non. Tu peux pas à cause d'Ajar. Il a trouvé trop Ajar. Eh ben écoute, au moins il s'est fait plaisir. Mort. On pensait au tour d'après. Ah oh, c'est même Parce que j'avais pas calculé. En fait j'avais pas calculé qu'il avait deux marqueurs le type. Eh oui c'est deux. Il est fort. Euh, Qu'est-ce que je veux? Lui il nous a chié dessus. Hein. Putain. Ça c'est bien. Punaise. Ça c'est pas très bien. Oh j'ai rien. Bah non, mais en même temps, son deck n'existe pas euh, dans le metagame. Donc forcément, ton side n'y est pas préparé. Le Shield il fait sacrifier une bête. Et c'est une bête qui bloque. Ouais, tu peux enlever les chemins du péril. Ça a pas l'air euh, dingo, quoi. Pas l'air zinzin. Les codes dans non plus, finalement, parce que, parce que ces hasards sont des 3-3. Il -3, euh, y a que Gwen que tu as envie de tuer, mais tu peux la tuer avec euh, droit à la gorge. Perspicacité, ça a quand même pas l'air brillant contre lui. Tu peux rentrer plutôt des créatures. Bah, ouais, je pique des bêtes, hein. Ça me fait des oui, mais est-ce que toi, quand tu lui piques ces bêtes à lui, elles ont autant de valeur dans ton deck Je sais pas. je rentrais plutôt toi. à Clasote, euh, Omar, euh, le 3-3. De toute façon, je suis à 60 là. Donc, si tu veux que je sorte ça, je peux rentrer tu ça. Et pas le 3-3 Ouais, voilà. Et même Lazav. Hein. Ah bah, Lazav, c'est trop faible, ça ne traîne rien. Non mais c'est juste une carte de, de early. En fait je sais pas ce que tu récupères d'intéressant avec perspicacité bah, contre lui. Je des récupère ou... des ouais, bêtes, ouais, okay. ouais, des landes ou des bêtes qui sont plus grosses que Lazav. Ok ok, non mais bah, vas-y garde. un truc en vrai c'est un peu moelleux mais... On va voir, après c'est que c'est un deck pas très très joué. Ça nous attaque bien là, ça nous casse bien le casque. <laughs> ouais, bah, en fait, c'est qu'il a pu connecter avec Jirou une fois et euh, ça lui a permis de faire. Euh, quand il a fait Drop 2 dans Gwena dans Jirou, c'était assez difficile. Ouais. Pourquoi on a encore des negates je ne les pas enlevés. On n'a pas enlevé les negates, non. Bon, c'est pas grave. J'étais sûr d'avoir enlevé les negates. On les a peut-être pas vus. Hein. Ah, peut-être j'ai pas vu. Sont ouais. cachés, hein. euh, mais ouais, lui, après Side, je... il a probablement plus de choses à rentrer en non créature. Je crois que je vais garder parce que j'ai fermé Aré Vras. Bon oh ouais. C'est acceptable. Allons-y. Vras, ça a l'air pas mal contre lui. Hein. Ça a l'air euh, obligatoire. Oh, trouver un petit piocheur, ça m'aurait régalé. Oh le S. Ok, il y a la miscrève. Fin de temps, je joue ça pour mettre la pression. C'est marrant que dans son deck il joue Screlve. Mm. C'est marrant, genre je je, je je comprends pas tout à fait. J'y pète un land Je crois que oui. Dans son 5C là. Ça mange pas de pain dans tous les cas. Oh j'y pète J'y pète et je shield. Mais il joue il joue pas 5C, hein. il joue Naya. Hein. Ah oui, il joue juste Naya, oui. Il joue juste Naya, euh, Naya por hein. Parce que si la Skrelf déjà dans Naya ça me gêne, mais alors dans 5C gros, je jure le Tu pètes un blanc en fait. bah ouais. Un peu long, euh, Morin si tu peux me permettre. Voilà. Tiens, je casse. Petit mana bleu pour le plaisir. Putain, il t'a mis un et... Célérité, buffet de 2 là, c'est incroyable. C'était euh, Picobello. Genre lui il s'amuse. Hein. Il est pas là pour gagner. Il est vraiment là pour prendre du plaisir. Et si en plus il gagne, en essuyant ses pompes sur ta tête, c'est tant mieux. Vraiment il vit sa meilleure vie. Ok, bah écoute, on n'a pas grand-chose à faire. Ruby Alors Ruby, on s'en fiche. On va pouvoir piocher une petite carte. Oh tu veux prendre un trade Bah en réponse il fait ça et je peux pas bloquer. Ouais. C'est pas fait. Effectivement. Dit comme tu ça, c'est pas... pas fou. De, tu vas pas prendre de trade, ouais. Bah, tu vas essayer et ça va pas bien se passer. Piochon, deux petites cartes. Ok ça j'aime bien. Et ça j'aime bien, j'ai déjà des landes donc... Euh... Vas-y, go, hein Oh Avec la Est-ce que tu veux passer avec la avant d'avoir fait ta première vrasse Ben là, vrasse sur ce banc, c'est pas zinzin. Non, et non, ça, non tu, un truc. Tu, tu peux juste essayer de tuer Ajar. Euh, il fait screlve, tu réponds par faire marrer, t'as tué Ajar, tu le laisses développer et vrasse. Je peux. Sinon, je peux passer avec la juste comme ça, hein. Ouais, J'ai l'impression qu'avec l'azote, en fait, ça ne tient pas à ce que lui veut développer. Là, ça bloque tout son board. Oui, pour l'instant, mais ça bloque pas le futur board que tu vas peut-être avoir envie de brasser. Bah, avec l'azote, c'est l'avantage que je peux le brasser et je le mets en lande, donc je ne le perds pas. Ok, comme tu veux. Moi, je pense, j'aurais pris la ligne droit à la gorge, marée, mais... mais ça me va. C'est toi qui as la manette, bah, c'est toi qui... Droit à la gorge, fermare, euh, je suis sensible aux... aux autres créatures. En fait, ça marche avec ce board actuel, mais si je joue d'autres trucs, ça marche pas. C'est quoi ce gros pâté là C'est Oger. Ben, oui, ça, en fait, ça lui demande de commit quelque chose de, supplément, de supplémentaire sur le board pour euh, valoriser ta vrace, quoi. Mmh. Mais comme t'as tué Ajar et qu'il a plus que deux de patates, pour moi ça, ça sous-entend qu'il commit quoi. Je vais attaquer. En fait, c'est ça. Je trouve que là, ce board t'aurais déjà envie de le vras. Et, euh... et du coup, on aurait pu juste développer avec l'azote le tour d'après et brasser ce tour-ci. Dans ma ligne. Ça dépendait de ce qu'il développait ensuite, quoi. Ouais, bien sûr, mais. Je fais J'estimais que la moyenne de ce qu'il allait développer, c'était entre drop 4 et 7, quoi. Je. Ouais, ouais. Ah, je peux aussi booncer hein, sur la phase d'attaque, genre il met pas grand-chose. Je crois que t'as quand même plein de cartes en main avec plein d'effets de pioche, plein de possibilités. Je suis chaud quand même de monter en land. Mmh. Et du coup, là, tu... il faut que tu repasses par droit à la gorge et faire marrer si jamais tu veux pouvoir brasser plus tard. Euh... Ouais. Mais c'est ça, du coup, c'est que tu perds un tour. Tu vas te prendre de la cloque par rapport à avoir fait ce plan-là au début Uatli, On va laisser résoudre. Yep. Pour l'instant, il peut pas la transformer, donc elle va partir dans la Vras. Ouais. Et là, c'est le spot où tu vas juste cibler Ajar et faire marrer. Quoi. Mais t'auras pris, pris les 6 points d'Augère, mais ce pas très grave en vrai. Et là, du coup, je fais droit à la gorge sur euh, Ajar. Ouais. Ou sur ça. Bah, sur Ajar, parce que si jamais il veut. Ouais, là, on en a fait, envie là, que Ajar voilà C'est voilà. Dans ouais. tous les cas, c'est Ajar qu'on en, qu a envie de faire partir. Pour moi, dans mon scénario, c'est quand créature A protège créature B et que tu veux que créature B meure, tu tues créature A. Mais si tu veux que créature A meure de base, bah, tu tues hmm. quand même créature A, tu vois. ok il a pas protégé bah écoute 7 points hein. ça a un effet délirant quand ça nous touche ou c'est okay ça va mettre une bête en jeu depuis le dessus de son deck depuis on le top brasser, 7 du coup on passe sauf si c'est ajar mais dans ce cas là il faut faire marrer sur son truc si t'as peur de prendre ajar je peux contrer la cape à répondre ouais, ouais c'est ce qui va se passer je pense ouais parce que sur ajar on est, on est chiffon exactement Ouais, ça ne change rien. Ça marche pas, oui. Mais j'aime bien qu'il ait essayé. Ah ouais, ouais, c'est cool. Ok. Donc là, je peux attaquer Vras. Ou juste attaquer. Hein. Est-ce que j'ai besoin de Vras sur board Là, c'est une 6-5 qui ne fait plus rien. Ah, il peut retourner sa remarque. Ouais. Je, 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 je le brasserai, je le ouais. Je le brasserai quand même. Il y a défaussé un land. Je le brasserai parce qu'il repart avec pas grand-chose il peut pas te développer oh. euh, et le l'île tour d'après et toi t'as quand même globalement 2-3 deux, trois, deux, trois ressources encore en main quoi. c'est dommage je vais pas trouver de land par contre et dissimulons mortellement ouais. et je peux lui enlever quoi c'est Italie bon, ouais. euh... ah merde faut que j'enlève ma... mon piocheur par contre ah, bah on lui enlève pas Italie alors, non pas grave. Il peut pas le caster là. Mmh, il peut pas le caster, c'est vrai. Hier. Ça retourne en land. pas grave. C'est lent. Ah, mais du coup, il peut le caster. Oh, parce que ça retourne en land, il peut le caster. Parce que mais le putain, deuxième mais... Italie de son deck était en sa main. Mais quel enfer Ah, j'avais pas calculé euh, qu'il pouvait le caster. Ah, oh, Pourquoi le deuxième étalier de son deck est dans sa main Ouais il est, chaud, hein il est chaud Il est chaud, il est chaud C'est quoi nos options là Il faut trouver anti-bête spécifiquement Perdre. maintenant mmh. Oh essayer de faire mieux que ça ah, On peut péter ça remarque avec champ de ruines Ouais Je crois que j'ai commencé par ça euh, Attends est-ce que tu peux trouver un truc Qui gérerait son étalier Et t'aurais plus le mana si tu pétais avant je peux pas juste déduire, reprendre l'info avant. Je peux commencer par piocher, ouais. Ah! Ouais, ça marche pas très bien contre lui. Il faut que Putain, je garde 3 pour faire ma On va perdre cette game, je suis fou, gros. Je, je suis, je suis fou, ouais, on a te mal te calculé le land, mais surtout, il fallait que sa dernière carte en main qu'on connaissait pas soit Italie, et c'était le cas, quoi. Le dernier dé de son deck. C'est pas grave. On joue pas beaucoup danti Tibet aussi, euh, hormis les Vras, finalement. Ah, bah on a 4 droits à la gorge et 2 sholdraits d'édict. Bon, sholdraits d'édict ça marche pas très bien. Ouais, non, mais je, je, nous, sens, je nous sens un peu mal. Un, un peu, peu mal, chocolat. Hein ouais, un peu chocolat. Que... Je vais faire tuer. Bah, en réponse au trigger, je vais le casser. quoi Ouais. Ah, 10 permanents 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il le fait. Je casse. Il pouvait pas juste payer pour nous tuer aussi euh, sur son Italie Ça lui coûtait combien mmh, Ça nous tue pas, ça nous met. Euh... Ah si, si, on se marquera pas son oh, ouais, Ça nous tuait bien quoi. Ouais, il le sait pas après, il tourne autour d'Antibet, mais. Euh... Mais il... en fait, il tourne autour d'une carte qu'il connaît pas et pas autour d'une carte qu'il connaît. Parce que là, c'est sûr qu'on allait pouvoir euh, chanderine. Moi j'aurais pris son autre plan. Hein. J'ai pas, pas trop une, compris sa phase. Écoute, ça me va... Ouais, ouais, moi aussi. 11, 11, le bordel. Nous fait, hein. Ah, c'est beau. C'est très, très beau. Je sais pas si je vais y a chercher... Des gens qui paye à Las Vegas pour voir ça Si, je crois que je vais chercher une carte dans mon deck, pas dans le sien. Ah ouais dans ton deck ouais franchement dans le sien ce qu'on va trouver ça va faire pas de furieux bah, vu qu'il y a plus d'italie, c'est moins bien quel spectacle Et au cas, moins vous Stern, êtes régaler il, il va aller le dire à tous ses copains Oh les juniors control les défoncés, là, euh, là il s'amusait avec ses vrasse là rien à foutre je vrasse euh, je vrasse pas de je joue voilà la... Ah, bah. la grosse merde GG là je suis content je trouve un mana, je suis encore plus content. Oui, non, mais parce qu'il y a un moment, on rigole, on rigole deux minutes, mais ça va, quoi. Est-ce que je ah, peux faire un mana le jeu Genre, ton plan, c'est Scrève dans Italie. Il y a un moment, Morgan Stern, tu peux pas tout le temps gagner, quoi. J'enlève Italie au cas où il en est plus que deux, ou on en a vu que deux et il en a pas rentré un side Moi, j'enlèverais Auger je du coup. Je crois que tu vas enlever un Auger. Et là, du coup, je peux enlever ça. Et ça genre. Je vais pas trouver de land, hein, t'inquiète. Ouais mais ça va, anti-bat up. Ça on pourra le retourner facile. Oui oui bah lui il est au top deck là. Tout ce qui va piocher il va le jouer. Donc je t'enlève Auger. J'enlève Auger aussi, ouais. Il y en avait deux autres, Gorille. Oh Trun. Ah Trun on veut pas voir non plus. Hein c'est bon, c'est. Chaud chaud en gros, je comprends pas son deck. Je comprends pas et je perds et donc ça m'énerve. Et si top deck trun, je suis fou. C'est la vie. Tu veux que je fasse ça maintenant pour lui enlever le trun Pour lui enlever le trun Franchement, à deux doigts de dire oui. Hein. Non. non tu pas... veux garder droit à la gorge. Ouais. Fais pas ça parce que en plus s'il fait genre cold Run et que tu peux pas le negate, c'est vraiment l'enfer quoi. Ça va. Oh mais ben, ça combat pas trop la Morgan Stern. Hein ça a raison. Ah, ben, on a, on a cassé ses jouets. Hein. C'est le petit Jessie, le petit Val, là. On a jeté son deck contre le mur. En vrai, cut down, je vais le remettre parce que c'est tue <laughs> Rubis, Skrelve et Gwena. Ouais, bah mais tu vas le remettre parce que son deck est bizarre, mais... Euh, du coup, negate. Ça dégage. Un ouais. truc, tu peux l'enlever, du coup, si on revêt des... des cut down. Ah, chemin, j'y crois pas, par contre. Ah, tu vas en mode comme grosse brasse Non, tu peux même pas le splasher, t'as pas de blanc. Non, juste pour euh, tuer un peu d'early. J'en mets une. On est à 60 là. Tu crois que c'est bien bah, ça C'est mieux que, pour, euh... que tout ce qu'on a là. Ouais, 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 probablement. En fait, le problème, c'est ce qu'on a en fait. Le problème, c'est ce qu'on a. C'est pas. Euh... Ah ouais. Eh oui. Le problème, ce sont nos options. Je fais avec ce que j'ai. Hein. Bah, je... je ne peux pas. Hein. Je n'en puis plus. C'est probablement le deck le plus exotico-excentrique qu'on a affronté depuis la sortie d'Outlaw. Mm. Et il est à un partout contre divers Control. Et il est à un partout. Allez, celle-là. Celle-là. Celle-là, c'est la bonne. Non, mais PL, je te dis, on lui laisse pas, hein, Celle-là. C'est ça sur hein. nous. C'est pas un live, hein. La vidéo, Genre, elle est tournée, elle peut ne pas sortir. T'as perdu contre. Ah non, mais ça va sortir. Mais on aura perdu contre jerou et Azorette. Gero et Azorette, et sa curve s'étale de Skrell Vautourin dans un deck tricolore avec des tapelandes. À ah, au autour 7. Girou! Il y a beaucoup trop de. Il y a trop. Non, je suis d'accord, il y a trop. De problématiques dans, dans et tout ça. Autre problématique, c'est que Morgenstern, il prend pas mal de temps, quoi. Ouais. Ah, ben bah là, il est là en mode Oh putain, j'ai un client, j'ai réussi à prendre une game, et je me bats. <laughs> c'est peut-être ma première victoire sur le ladder, je mets tout. C'est clair. En vrai, il curve des trucs démentiels. Hein. Nous qui vrassons et tout. Euh... Ouais non mais son, son son projet est nul quoi. C'est dur. Petitiflement parlant. Donc, quoi. Toi tu es le, le chevalier white au corps pur et tu dis que le projet des gens est nul quand ils jouent des decks. Pas le projet des gens. Son Alors que nous, chez lui... Dimir on adore ce que font tout le monde. Euh, non c'est pas vrai. Peu importe le sort, on va le contrer, le tuer et tout, on est content. Ah bah moi aussi. Ah aussi, bah non. C'est pas ce que tu disais il y a quelques secondes. Ah on peut pas tourner sa comme ça Val. Non mais je je j'adore j'adore briser son projet. Au même titre que toi, tu brises le sien. Ah, je ne brise pas. J'interagis. Si. Ah, c'est la nuance. Oui, oui. Euh, attention. Non, c'est pareil. Mais gros, gros, tu défends Dimir. Les Dimir eux-mêmes, ils sont là en mode, mais oui, mais nous, on adore détruire les gens. C'est le but de Dimir. Okay, je pense que tu vas un goût, peu vite en besogne, Val. Voilà. Tu te mets exterminé, up, mais tu déduces pas, ça te va Ouais, c'est pas grave. ça dépend. s'il ne fait pas de tour 1, je peux accepter de ne pas faire de... S'il ne fait pas Scrabble, t'as pas de raison, je pense. Il faut que tu réussisses, ouais. Assez ah, long la décision, hein. Morgan, c'est simple, y aller. Et surtout, ne concède pas. On veut jouer cette game, on en a besoin. Nous créons du contenu. Le contenu n'est pas créé si tu pars. Ça m'est arrivé... Il euh, je... y a pas longtemps sur euh, Pixelborn, j'ai fait la je... première game du BO, elle était très longue, et à la fin, le mec s'est barré. Ah, il n'a pas voulu rematch, ouais. Sauf que moi je veux montrer du BO3 tant qu'à faire donc. Euh... Moi je t'avoue que si on la gagne celle-là, qu'importe euh... qu le moyen, je suis pas mécontent quoi. J'aimerais quand même. Ah non, il a déco, mais c'est sûr, c'est pour ça qu'on a mis une plomba. Il a déco avec son deck, putain de merde. Morgenstern, putain Pourquoi tu fais ça ça, tu sais pourquoi il fait ça Parce qu'on joue Dimir. Mais non, pas du tout. Il a gagné la une. De façon euh, mais écrasante. Mais parce qu'il sait, qu sait que cette une, il ne doit jamais la gagner. Il est au courant. Moi, ouais, je... tu joues des anti -bêtes, des contes, des hacklazotes. Il se dit mais qui, qui puis-je Que puis-je faire face à ça Tu sais quoi, Val Moi, je m'en fous. Je m'en fous. Je considère que c'est une belle victoire pour Dimir. Il est où Ah, ben, bien sûr. C'est une très belle victoire pour Dimir, ouais. Et que euh, c'était un moment de partage et que juste il devait y aller. Et voilà, il a déco. Euh, sans crier gare Tu lui en veux pas finalement. Non, euh, on se quitte mon copain comme Dimir avec n'importe qui. Parce que, parce que Bonnard. Bonnard, je sais tout. Dimir Bonnard D Dimir Bonnard, oui. En fait, Dimir, c'est le gars qui veut jouer un peu un rôle, tu vois. Mais en vrai, euh, il est adorable, quoi. Dimir, c'est Sasuke et genre... Alors que Azorius. Azorius ça fait genre euh, oh oui euh, moi euh, oui euh, alors que pas du tout Azorius c'est c'est Minato c'est genre ton gars alors que tu c'est Sasuke tout. du coup <laughs> sûr que si. mais non pas du tout bah c'est les mecs droits quoi euh, Minato Azorius. il est Jeskai oui bah c'est pareil quoi oui mais non ça fait Azorius, attention c'est une différence c'est pas ouais, pareil ouais. D'accord, ok. Et Sasuke... En tout cas, il est loin. De... Il est loin de Dimir. Sasuke, c'est mono-noir discard. Et ça, par contre, personne en veut à sa table. Ça, ça dégage. Merde. Non, c'est Dimir. Il a des failles aussi. <laughs> ça, parce que sa technique, elle est bleue. Que tu dis ça Puis, on a joué à un deck, euh... un deck de, de, de vilain, quoi. Même si tout le monde ne me rejoint pas sur le propos, et on a affronté vraiment genre le boss final du ladder, quoi. Il nous a mis une défaite et il s'est dit Hé, hey, je pars avec ça. Pour moi, c'est une Alors, victoire. Ouais, ça, c'est ce qui s'est dit. <laughs> bon, en vrai, je les aurais <laughs> éclatés à la 3 sur le play. Avaient... J'avais une main de fou. J'ai pas besoin de la jouer, celle-là. On passe à la prochaine. Moi, je fais que des stats. Il se dit J'en ai pris une. Franchement, je prends pas le risque de faire 1-2. Pas, la... pas la peine. Fin de cette vidéo. Je suis au fond. Je sais que ça vous a régalé. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpell Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.